Abujinkan Dojo est un système de 9 écoles traditionnelles japonaises d'arts martiaux. Chacune de ces écoles possède certaines caractéristiques techniques et philosophiques propres. D'après Atsumi Sensei, il existe 3 points essentiels. D'abord, la perception et la connaissance de soi-même. Ensuite, le tranchant de la décision à travers l'élimination des défauts, des faiblesses et de l'inutile. Et enfin, la sincérité, le sentiment, la dévotion, l'interne et la compréhension du cœur. À la Bujinkan, le taijutsu est la base. Les mouvements du corps représentent la base solide sur laquelle les techniques avec armes vont s'appuyer. Pour comprendre facilement ce que le taijutsu représente, nous pouvons dire qu'il se répartit dans les grandes lignes en taijenjutsu, méthode de mouvement du corps. Ceux-ci comprennent des chutes, des roulements, des sauts, des déplacements. Daken taijutsu, méthode de frappe. Utilisation des coudes, des mains, des poings, des doigts, des genoux, des jambes, tête et en général de tout le corps. Ju taijutsu, méthode souple du corps, se référant aux techniques de contrôle, d'esquive, de luxation, de projection, étranglement. Il est important de tenir compte du fait qu'étant un système composé de 9 écoles, chaque école possède des caractéristiques déterminantes en ce qui concerne le taijutsu. Les unes utilisent plus les méthodes de coups aux muscles, d'autres essaient de détruire les articulations, d'autres encore utilisent le mouvement du corps, etc. Roulement frontal. Roulement vers l'arrière. Roulement latéral. Roue latérale avec une et deux mains. Thank you.
Kihon Rapo, ce sont les 8 techniques de base. À travers leur entraînement constant, on découvre l'essence du Budo Taijutsu. Première position. Position en croix. Position des oiseaux qui volent. Luxation extérieure. Luxation intérieure. La technique du guerrier.
en lançant une grande pierre. Comme nous le disions au début, la Bujinkan est un système de 9 écoles d'arts martiaux. Nous allons voir maintenant une série de techniques de plusieurs des écoles.
Insérant le bâton. En cassant la hanche. Thank you.
en écrasant le démon. Depuis les temps anciens, on a utilisé le chêne rouge pour fabriquer les manches des armes et des outils. Le meilleur bois est en effet le chêne rouge, et la meilleure saison pour le couper se situe entre mi-septembre et début décembre. Oh.
Thank you.
Position 1. Position de l'œil. Position pour se cacher dans l'épée. Suivant les écoles et les époques, les épées modifièrent leurs caractéristiques. L'apparence extérieure ne changeait pas beaucoup, mais il existait cependant des différences importantes. Par exemple, la lame de l'épée pouvait être plus courte, permettant de cette manière de cacher des poudres aveuglantes ou des documents secrets dans le manche. On utilisait aussi le Sageo no Nanajutsu, les sept arts du Sageo. Il y a un dicton qui dit « L'enfer se trouve en dessous de l'épée levée, mais à un pas seulement et au-delà se trouve le paradis. » Écraser la poignée. Saisir en entrant. Saisir la main vide.
La naginata a été utilisée pendant la période Heian. La naginata s'utilisa comme une épée de grande dimension, avec la possibilité de couper et de clouer. Cette arme fut d'abord utilisée par les soldats à pied, qui pouvaient s'en servir pour attaquer les pattes des chevaux ou contre les samouraïs à cheval. La naginata utilisée dans le Ninpo est plus courte que la naginata habituelle, bien qu'il y ait de nombreuses variantes telles que la Bisento, Nagamaki, etc. Yep.
Il existe de nombreux types de yari, lances, tels que le tesu yari, lance en fer, la kama yari, lance en faux, la sanbon yari, lance de trois longueurs, kuda yari, lance en tube, kagi yari, lance en crochet, etc. Généralement, les lances étaient utilisées pour attaquer les zones que permettaient les armures des adversaires. D'après Atsumi Sensei, le plus important pour utiliser le jute, c'est d'être capable de bouger comme un oiseau sur l'eau, avec les hanches basses et le genou souple.